Les images de la tempête d'Omont 2008 qui vont suivre viennent illustrer l'exercice CRISEX Somme 14 de l'état-major de réserve de la brigade de transmission et d'appui au commandement. Cette nuit, la tornade Satis a traversé la Somme accompagnée de vents violents et de crues importantes dans toute la région. Les dégâts sont considérables. Le président de la République vient d'annoncer l'envoi des forces armées en renfort des acteurs civils. Le 16 mars est survenue cette tempête. Donc le 18 mars, les premiers éléments du 41e RT sont arrivés d'urgence sur site pour prêter assistance aux populations et aux autorités civiles. Les unités d'intervention et de réserve de la brigade de transmission et d'appui au commandement ont été engagées au plus tôt. Donc là, nous sommes dans la phase de décrue où les unités progressivement vont, dans leur aide à la population, basculer dans une aide plus portée sur la sécurisation de certains sites suite à des actes d'incivilité, voire une aide à la population tout simplement pour les aider à remettre en état, à déblayer, débiler les routes. Heureusement pour la population, tout ceci n'est qu'un exercice d'entraînement de la réserve opérationnelle de la brigade de transmission et d'appui au commandement, qui n'a de cesse d'améliorer son efficacité en vue d'un engagement opérationnel. La réserve opérationnelle de la brigade de transmission et d'appui au commandement, c'est environ 800 hommes et femmes qui sont très actifs et disponibles en complément des engagements de la brigade. CRISEX Somme 14 aura démontré une nouvelle fois l'efficacité de nos réservistes.